écouter la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole, merci de nous bénir et merci de nous édifier. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Nous allons écouter la parole de Dieu. Je suis en même temps édifié de comprendre que Dieu a commencé à faire tomber nos Goliaths. Je vous disais tout à l'heure, il y a des pecs sols qui ne vont jamais changer. Pourquoi? Parce qu'ils ont posé des actes. Ils ont fait tellement de vilaines choses que Dieu n'aimerait pas qu'ils s'y répondent. Vous savez ce qui change le cœur de Dieu? La repentance. Quand la personne reconnaît la voix, Dieu est obligé d'annuler la sentence. Or, quand la personne a duché, qu'elle ne veut pas se répentir, Dieu est obligé d'agir. Amen. Donc si vous voyez une personne sorcière, me dit ma maman n'a pas encore confessé, le PNN n'a pas encore, c'est pas encore répandu, elle ne veut pas reconnaître ce que tu veux la tuer. Voici la raison. Quand vous regardez le cheminement, quand Moïse allait parler à Pharaon, Pharaon a vu tous les miracles. Il a vu toutes sortes de châtiments. Mais malgré tout, il est resté en duché. But his heart was hardened. Oh, avant que Dieu n'envoie Moïse, Dieu va dire à Moïse, je t'envoie, mais je ne permettrai jamais à Pharaon de se répentir. J'enduirai son cœur pour le tuer. Vos parents verront des choses. Si son cœur endurcit vis-à-vis d'une révélation donnée, qu'elle ne peut pas se répentir, attendez vos châtiments de Dieu. Amen. Il y a plusieurs manières de délivrance. La mort de ton sorcier. C'est une délivrance pour toi. La mort de ton sorcier est une délivrance pour toi. Death of your sorcerer can be delivered for you. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, laissez aller mon peuple. Pendant que le peuple est en train d'aller servir Dieu à Cana, voici le peuple ennemi qui dit non, revenez sur le point zéro. Comment Dieu décide de vous bénir? Comment Dieu décide de te faire rentrer dans un foyer? Comment Dieu décide de te faire rentrer, n'est-ce pas, dans une bénédiction, dans un voyage? Et le diable, le sorcier, s'oppose à ça. En fait, la personne s'oppose à Dieu, pas toi. Elle veut empêcher Dieu de réaliser ses promesses dans sa vie. Donc Dieu est obligé de détruire cette personne. Parce qu'elle est une menace pour toi. Because that person is threatening for you. Jésus naît. On voit l'étoile de Jésus. Et voici quelqu'un qu'on appelle Hérode. Qui commence à s'opposer. On dit c'est lui le roi. Et toi tu es trouvé, tu dis non. The king. Ok. Dieu est obligé, dans l'obligation, de détruire Hérode. C'est quand Hérode est mort que Jésus est entré à Jérusalem. Il y a des gens qui ont besoin de tomber, que vous voulez ou pas. C'est le plan de Dieu pour vous. Amen. Alléluia. Vous ne maîtrisez pas le plan de Dieu par rapport à votre vie. Ah, j'aimerais que maman s'est convertie. J'aimerais que mon père, mon frère, j'aimerais que mes soeurs. Mais c'est pas toi qui convertis le cœur de quelqu'un. Un cœur repentant vient de Dieu. C'est Dieu qui touche le cœur. Il dit c'est lui qui touche nos cœurs. S'il n'a pas touché son cœur, toi ça a quel problème? C'est que Dieu trouve bon. Est-ce que vous savez qu'est-ce que les gens font dans le secret? C'est pas tout qu'ils disent. Mais il y a des choses qu'ils font terriblement que Dieu garde. Et que Dieu est obligé de les éliminer. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. C'est pour cela que ton sorcier va tomber. Nous allons poursuivre ce genre de programme. Nous allons reprendre sa partie du 22 encore. Le 22 de ce mois, d'ici la fin du mois, nous allons reprendre encore le programme pour attaquer la sorcellerie. Jusqu'à la fin d'année, vous allez voir que beaucoup de choses vont bouger. Le 22 encore, d'ici deux semaines encore, nous allons revenir encore. Parce que dans la vie, on ne baisse pas les bras. On ne laisse pas faire. Tu baisses les bras, l'ennemi prend le dessus. Le thème du message de la retraite, que Dieu vous bénisse. Quand vous mettez dans la présence de Dieu pour prier, il y a toujours l'exaucement.
David dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Nous sommes tous entrés dans la présence de Dieu. Are the presence of God. Vous cherchez son secours. Pourquoi? Parce que on est convaincus, nous sommes convaincus qu'il y a quelque part une main obscure qui nous empêche d'avancer. Or, Dieu a créé l'être humain pour qu'il avance. Pour que l'être humain avance. So that the human being can go ahead. Et Dieu a convaincu que tu es statique, donc tu es bloqué. You stopped. C'est dans le cœur, tu es convaincu. You're convinced. Que en temps normal, tu ne dois pas être à ce stade-là. You should not be in that stage. Parce que la connaissance intellectuelle que tu as ne te permet pas d'être. Si c'est dans cette position. You know, allow you to be in that position. La beauté que tu as. The beauty that you have. Et tu es frustré. And you're frustrated. C'est ça la frustration. It's what we call frustration. Et tu sais même où mettre la tête. And you don't know what to do. Tu dis, mais est-ce que say, la mort. Mais la mort n'est pas le dernier recours. Si vous mourrez, vous partez en enfer. Si vous donnez la mort, vous irez tout droit à l'enfer. Parce que la vie que vous avez ne vous appartient pas. Je suis désolé. Si vous pensez que le dernier recours et le seul unique dernier recours, c'est la présence de Dieu. The presence of God is. Car elle a été frustrée par Pénina, sa rivale. Qu'elle a été frustrée. Elle a su vous regarder. Elle allait dans le camp en train de pleurer dans la présence de Dieu. Crying the presence of God. C'est là qu'on pleure. Not the place where you cry. C'est Dieu qui peut nous changer. Only c'est God. Dieu qui peut changer la situation. Pas une personne. C'est lui. But only him. On pense qu'on est désespéré. Il faut sauter là. Mais tu es grave. Donne-toi la mort. Tu vas tout droit en faire. You go straight in the hell. Et c'est ce que chacun d'entre nous est en train de faire. That's what all of us. Depuis 4 jours. Nous sommes dans sa présence. On lui dit pas c'est trop. Nous constatons que les choses doivent bouger et ça ne bouge pas comme ça devait bouger. Il faut que tu changes. C'est ce qu'il a fait. Jacob. Il a reçu la bénédiction prophétique sur sa vie. Prophetical blessing on his life. C'est le problème. Il décrète un moment de retraite, une veillée de prière. Il dit à Dieu, aujourd'hui, il faut que tu changes ma destinée. Today, God, you must la même nuit, l'ange l'Éternel s'est présenté à Jacob. The angel came to Jacob. Il a combattu avec Dieu with dans la prière. In praise. Et la Bible dit qu'il a vaincu l'ange l'Éternel. Amen. L'ange doit le céder. Vous voulez avoir les choses sans effort. C'est pas possible. Want to get things without any effort. Il y a un combat. It's a fight. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu te bénisse? So that God can bless you. Tu es dans ta chambre. Tu veux avoir Dieu. Le... To see God in Dieu, on le cherche, on le trouve. Yeah, we check him. On s'élève dans la prière. Quand ça ne va plus dans la famille. Quand ça ne va plus dans le foyer. Quand ça ne va plus autour de nous. Quand tout est bloqué. Quand rien ne va. On ne reste pas dans la chambre en train de prier. On s'élève. Pour aller chercher Dieu. We stand up, we raise up and check God. Alléluia. Amen. C'est ce que chacun d'entre nous est en train de faire. What all of us. Parce qu'il faut que Dieu change notre destinée. God's going to change our destiny. Et Dieu dit, and God says, tu ne t'appelleras plus Jacob, no more qui veut l'Ivoirien. Mais ton nom sera Israël. Alléluia. Tu dis, son nom sera Israël. Il y a eu un combat qu'il a livré avec l'ange de l'Éternel. With the angel of eternal. Écoutez, bénis soit les gens. Pourquoi Jésus-Christ soit le roi des rois? Il a traversé le roi. The king of the king. Amen. Amen. C'est qui tu es en train de faire? What I'm c'est ton prix à payer is the price pour rentrer dans cette grâce. Enter that c'est ton grace. Prix à payer. The price to parce pay. Que la volonté du diable est dominée the wish of the devil, c'est de t'humilier au maximum. You. Dieu te délivre maintenant d'abord. Dieu te délivre la puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Amen. Amen. La stratégie du diable, c'est de vous humilier. It's to humiliate you. Quand on attend le stade de l'humiliation, when we reach that level, on perd même la raison. We can leave on se pose même des questions. Est-ce que Dieu existe? Asking ourselves,
Does God exist? Il nous arrive à poser la question, est-ce que Dieu existe? Does God exist really? Tu vois les gens de ta promotion avancer et toi t'es statico. Promotion, but you still rien ne bouge. Nothing happens to you. Rien n'avance dans ta vie. Nothing goes ahead for you. Et tu dis même, mais qu'est-ce qui se passe? What's happening? What's wrong? Et justement, c'est cet élevé dans la prière. Yeah, this is what. C'est ce que nous sommes en train de faire. This is what we do. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le plan de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est dans la parole de Dieu. Quand vous lisez Jérémie, il dit non. La Bible dit, j'ai un projet. I have a project. Un projet de paix, non de malheur, pour nous donner de l'espérance de l'avenir. C'est l'avenir. Dieu est un futuriste. Il a de bonnes choses pour nous. C'est la bénédiction. C'est la grâce. Dieu existerait. Dieu est réel. It's real. Il est un Dieu de miracle. Yeah. C'est pour ça que la situation dans laquelle tu te trouves, c'est un petit problème. C'est un petit problème. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu te délivre? So that God can deliver. Tu ne fais rien, tu mourras dans le problème. But you still be in troubles. Il faut que tu fasses quelque chose. You must do something. C'est de s'élever. Raise up. Et dans la prière. And the prayers. Amen. Amen. Le secours vient dans la prière. C'est dans la prière. L'âme du chrétien, c'est la prière. Et la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Si vous voulez que les forteresses se croulent autour de vous, soyez des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes de prière. Nous allons faire tomber les forteresses. Il faut que les murs tombent. Et que les choses changent. Amen. Ce dont l'humanité attend, notre entourage, c'est de voir Dieu à l'œuvre dans notre vie. Oh, Jésus. Il faut que vous rentrez dans votre mariage. Il faut que vous rentrez dans votre grâce. Les gens ont besoin de ça. Nous croyons à la puissance de votre Dieu. Ce soir que nous avons décrété le retraite, il faut que le Goliath tombe. Ce soir que nous décrétons cette retraite, nous sommes retirés dans la présence de Dieu. Parce que nous constatons qu'il y a quelqu'un, une hostie, il y a mystiquement quelqu'un, une personne qui veut nous empêcher de rentrer dans les grâces et dans les bénédictions de Dieu. Ce soir que ce matin, je prophétise que la main de Dieu te bénisse ce matin. Recevez la gloire de Dieu, le son de main de Dieu, le libère dans la présence de Dieu. Le temps sonné, c'est le temps. Il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps où on pleure, et il y a un temps où Dieu nous délivre. Il faut que Goliath tombe ce matin. Il faut que Goliath tombe ce matin. Il faut que Goliath tombe ce matin. Il faut qu'il tombe ce matin. Il faut que Goliath tombe ce matin. Il faut que ton Goliath tombe ce matin. Goliath doit tomber. Goliath doit tomber. Qui est Goliath? Nous avons vu dans la Bible. On a commencé à parler de Goliath. Qui est Goliath? Who is Goliath? Qui est réellement? Who is really? Ce Goliath, that Goliath, selon la Bible, according to the Bible, c'était un Philistin. It was a Philistine. Un Philistin. A Philistine. Le peuple ennemi juré d'Israël. Of Israel. C'est le Philistin. Il décrète une guerre contre Israël. He started the war against Israel. Une guerre contre Israël. The war against pendant que les deux camps s'organisaient après la guerre, un se démarque parmi les Philistins, un géant qu'il était, plus de 6 mètres, et qui vient se mettre entre les camps des Hébreux et les camps des Philistins, et il s'adresse à Israël. Il dit, cherchez parmi vous quelqu'un pour m'affronter. S'il m'a tué, c'est fini. Israël va prendre le butin, tous les biens des Philistins. Si moi je vous mate, c'est les Philistins qui prendra le dessus sur Israël. Gaïa. Un homme de guerre. Son épée est à 60 kilos. Oui. More than 60 kilos. La Bible dit,
C'est quand tu l'eau guérit là, on ne peut pas se soulever. Nous tous ici, là, chacun a fait l'expérience de soulever, ça guérit. On dit son épée fait 50 kilos. La tête, bien habillée, il était protégé. Protected. C'est quelqu'un qui tenait son bouclier. Lui, il était là. Il regarde. Le peuple hébreu est resté muet. Souvent, il y a des situations devant lesquelles nous restons muets. Parce qu'on nous dépasse. C'est tellement. C'est le Goliath. Qu'on reste muet, on ne sait pas ce qu'il dit. Et ils s'attendaient, on va s'affronter. Mais quand il y a un géant. Mais que là, lance les défis. Et tu es confronté à cette situation. And you confronted with that situation. Et non seulement ça, il a commencé à l'insulter. Starting enjoying them. Il dit, où est mon Dieu? Oh, la situation se présente pour insulter ton Dieu. But the situation was. C'est pour ça qu'il faut que Dieu agisse. Amen. 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 Je suis convaincu que Dieu opère ton miracle. Amen. Amen. Il a commencé à insulter l'armée d'Israël. A commencé à insulter l'armée d'Israël. Goliath a commencé à insulter. Chacun veut parler. Tu peux aller. There you go. Tu ne le vois pas. Don't you see him? En cas c'était. Si vous venez de l'insulter, c'est bon. On ne fait pas avec ça. Après l'humiliation, c'est la mort. Il dit, montrez votre Dieu. Montrez-moi. Il me semble que vous avez un Dieu ici. Show me your God. Souvent il parlait que David s'est approché. Nous disons la parole de Dieu. C'est à ce moment où il parlait qu'on voit, on voit David. Amen. Amen. Nous prenons le verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. David said to the men. 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Oui, quel est ce incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? That will defy the army of the living God. Et personne ne dit mot. And nobody can say anything. Comme si Dieu n'existait pas. Oh, vous savez, dès que l'armée Israël avait un dernier recours, n'est-ce pas? Army of Israel. C'est la prière, n'est-ce pas? Have a prayer. Israël avait pour coutume, quand ça ne va plus, on se retirait à Bethel. The army of Israel. Dans la présence de Dieu, vous se trouvez l'arche de l'Éternel pour prier. Pourquoi je ne le dis pas? Face à cette adversité. Et c'est rentré dans l'oreille de quelqu'un. This entered. Tu connaissais la puissance de son Dieu. When you were the power of God. Frère, il ne faut pas que les gens jouent avec Brother, nous. Amen. Il faut qu'ils nous respectent. Amen. Et c'est vous qui allez faire que les gens vous respectent. Si vous mettez là à pleurer seulement, sans agir, ils vont continuer de vous vipendre, vous détruire. Si ça ne va plus, faites comme A. Everything is wrong. David s'approche, il dit c'est qui? David. On est petit. C'est... Les histoires de à la maison, de nos insultes. Lui là,
On appelle Goliath. C'est pas la maison, tu nous feras, tu nous insultes, on court derrière toi. Non. On l'appelle Goliath. Quand tu ne nous respectes pas, je vais envoyer la nourriture, tu ne t'occupes même pas, laisse. Et puis tu retournes à la maison. David dit non. Trop, c'est trop. Vous savez, quand vous arrivez au stade où vous comprenez que trop, c'est trop, Dieu vous donne l'onction d'affronter la situation. Il dit, mais c'est qui? Tu veux mourir, cadeau. Dans son cœur, David dit, vous savez, j'ai fait une expérience avec lui. Quand vous lisez la Bible, David dit, il y avait une expérience. Pendant que j'ai fait perdre le troupeau de mon père, il y a des ours qui venaient attaquer. J'attaquais, puis l'Esprit de Dieu m'aidait. Donc David, dans sa culture, il sentait la présence de Dieu dans sa vie. C'est pour ça que quand une situation se présente à vous, gens comme Goliath, ne perdez pas la raison, ne paniquez pas. Elle se présente à vous, bien sûr, mais Dieu vous donnera l'onction pour faire sa tête. Amen. David a compris que si Dieu m'a aidé à détruire les ours, lui, il est dit. Il était géant, il n'est pas la même taille que David. David, c'est un petit enfant. David est small. 6 mètres, 1 mètre de quelques. Le regard n'est pas match. Amen. Ce qui avait David dans son cœur, c'est la foi en Dieu. La chose s'est présentée à toi. Mais est-ce que tu as encore la foi? Il y a des gens qui perdent la foi. Oh, la chose vient pour que tu perdes la foi. Ça se présente pour que tu n'aies plus la foi. Les gens, ils sont, mais n'ont plus la foi. Ils ne croient même plus, ils ne pensent même plus que ça va marcher. Le diable a atteint son objectif, c'est fini, il t'a gagné. C'est ce qu'il voulait. Qu'on arrive au stade où tu ne crois même plus au miracle. Tu ne crois même pas que Dieu peut opérer un miracle pour toi. Ah, vous savez que le miracle, c'est quelque chose de surnaturel. Ce n'est pas naturel, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse la compréhension humaine. Tu ne t'attends même pas à ce que c'est un miracle. Alléluia. Il n'y a que Dieu seul qui peut opérer le miracle. David regarde la chose. Il va. Frère, il faut que nos vies et que les gens nous regardent et qu'ils respectent la puissance de Dieu. David va chez Saül. Il vous dit, Saül, laisse-moi affronter ce monsieur. Ce qu'il a entendu dire. Vous savez, pourquoi Dieu est obligé d'agir? Parce que les gens ont trop parlé. Pourquoi Dieu doit agir maintenant aujourd'hui là? Parce qu'ils t'ont trop humilié. Ils t'ont trop humilié. Ils t'ont trop humilié. Hé, monsieur. Ils t'ont tellement humilié que Dieu cherche une occasion pour agir. Voici le retraite où tu as décidé de l'invoquer. Donc il est obligé d'agir. Pendant que Goliath insultait l'armée d'Israël, Dieu cherchait quelqu'un. Dieu cherchait quelqu'un pour affronter Goliath. Et la vie en David, là, il dit, je mets mon esprit en lui. Comme tu as compris qu'il faut faire tomber Goliath, Dieu te donnera l'onction pour le faire tomber. Aujourd'hui, ça sera sa fin. Dieu te donnera l'onction pour le faire tomber. David va. David went. Vers Saül. Il dit, je me porte garant. Je mets sur mon cul. Je prends sur moi l'engagement d'affronter ce péché. Parce qu'il a trop insulté l'armée d'Israël. Ça, on ne dit pas ça, mon Dieu. C'est qui je suis en train d'entendre. C'est pas mon Dieu qu'on doit dire ça. C'est qui je suis en train de faire. Si ta vie, bien aimé, ça touche le cœur de Dieu. C'est qui j'ai fait à ta vie. Ça touche le cœur de Dieu. C'est qui j'ai fait à ta vie. Ça touche le cœur de Dieu. Dieu va te délivrer ce soir. Dieu va te délivrer ce matin. Il te délivrera ce matin. Il ne prendra son action pour te délivrer. Pour te délivrer. Ça lui dit, toi, you? Qui peut l'affronter,
Can you face him? Il dit oui. He said yes. Car c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. Alléluia! Il dit c'est à l'Éternel qui appartient la victoire. Et tout le monde sur la terre, c'est à l'Éternel qui appartient la victoire. C'est à l'Éternel qui appartient la victoire. Ils sont en train de te combattre. Ils sont en train de te combattre. Mais c'est Dieu qui donne la victoire. C'est Dieu qui donne la victoire. Il te donnera la victoire. Sur le célibat, il te donnera la victoire. Sur l'échec, il te donnera la victoire. Sur le chômage, il te donnera la victoire. Sur la maladie, sur la stérilité. C'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. C'est lui qui donne la victoire. Ça y est, ok. Amen. Je peux t'aider. Amen. Pour porter les habits. Ou n'est pas qu'on dit, je n'ai pas eu pitié de toi. Ça y est. Ça y est, dit à David. Tu te laisses comme ça, on dit, ah, moi le roi même, il n'y a pas pitié de l'enfant. Il n'a pas aidé un peu. Prends l'épée. Prends tout. Il dit, David essaye de dire, non, laissez-moi tout ça. David say, no. Quand Dieu veut combattre, when God, il n'a pas besoin de tout ça. Ce qu'il a dit là, ce qu'ils ont fait là, what they have done, Dieu va les confondre. God will confuse them. Parce qu'ils ont touché à l'interdit. Ils ont touché à l'interdit. Ils ont cherché à te programmer. Ils ont touché à l'interdit. C'est pas tout le monde qui mange. Ce qu'ils ont fait, what they have done, ils ont touché l'Éternel. David, salut le Goliath, le regarde. Il banalise David. Really il dit, mais vous n'avez même pas pitié. Saying je donne un rendez-vous. David, il cherche des pierres. David cherche des pierres. Amen. Il va dans un courant d'eau. Or, l'eau, symboliquement, c'est la parole de Dieu. Source d'eau vive. Et dans le courant d'eau, il va chercher des pierres polies. Il pensait Seigneur. Or, vous savez que le nom de Jésus-Christ, il y en a 5 lettres. Il met ça dans sa judiciaire pour affronter Goliath. Amen. Nous affrontons Goliath ce matin sur la base de la parole de Dieu. Sur la base de la parole de Dieu. Il nous dit. Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais à les mettre en pratique. Et Dieu bénit, il s'est dit, tu ne laisseras pas une personne qui pratique la sorcellerie. Donc tous ceux qui ont pratiqué la sorcellerie à notre égard, nous allons les faire tomber au nom de Jésus. C'est la parole de cette parole. Parce que l'eau dans la Bible, c'est le symbole de la parole de Dieu. L'eau, c'est le symbole de la parole. Et c'est là-bas que David allait chercher cinq pierres qu'il met dans sa judiciaire. Il va et rencontre Goliath. Frère, Dieu, ce n'est pas un homme comme nous. Il respecte sa parole. Dieu, quelqu'un, Dieu respecte sa parole. Dieu, il respecte sa parole. Alléluia. David s'appuie sur la parole. Parce qu'il en prenant les pieds dans le tourment d'eau. Ça veut dire la parole. In the world, sur la base de la parole. The base of the world, on affronte Goliath. Amen. Donc il part. And when, il regarde Goliath. Looked at Goliath. Goliath le banalise. Him, il ne considère pas. Oh, tu ne prends les choses claires qu'on ne considère pas.
pour confondre les sages. Il prend les choses qu'on ne considère pas. Les gens ne considèrent pas. Ah, il allait faire quoi à Dimo? Et il allait faire quoi à Dimo? C'est dans les choses comme ça que Dieu agit. C'est dans les choses comme ça que Dieu agit. David s'approche. Il était convaincu que le pire, une lance ne pouvait le toucher du front jusqu'à l'orteil. Goliath était protégé. Mais Goliath est bien chaud. Et que c'est à l'Éternel qui appartient là la victoire. La victoire n'est plus dans son camp. Qui veut même voir un morceau sec pour les faire tomber? Parce que la victoire est du camp de David. On ne touche pas Israël. Frère, tu es Israël. Tu es Israël. Tu es le peuple de Dieu. Les ennemis de Dieu. On ne touche pas les ennemis de Dieu. Il a touché Israël. Il a touché l'interdit. Ils t'ont touché. Ils ont touché. They have touched you. They have touched you. C'est quel temps, c'est quelle histoire. Il était supplié tout le temps. Il était minimisé. Il était banalisé. Il se fout de toi. De tout le temps qu'on est pleuré. Ça ne va plus dans ta tête. Il ne sait plus mettre la tête. In your head. In your mind. C'est Israël. You are Israël. David le regarde. Il dit aujourd'hui même, je donnerai ton corps à manger aux oiseaux du chien. Parce que tu as osé t'opposer à Dieu. Le diable s'est opposé à Dieu. Alors que Dieu décide de te bénir, ce Goliath te barre le chemin. Il ne veut pas que tu en vances. Oh, Dieu m'a aidé à avancer. Il ne veut pas que tu en vances. Il faut qu'il dors. Et que tu marches sur ton corps. Pour aller à Cana. Pour aller à Cana. David l'a regardé. Il a tourné l'enfant. Il dit, je te combats au nom de l'Éternel des armées. Je te combats au nom de l'Éternel des armées. Dès qu'il a lâché l'enfant, Goliath est tombé. Bon! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Il a lâché le fond, appuyé sur le principe biblique. Goliath est tombé. Le géant qui faisait peur, qui menaçait, est tombé. Aujourd'hui, nous allons prier. Faites tomber. Faites tomber. Tous ceux qui nous ont menacés, tous ceux qui nous menacent, qui nous empêchent de entrer dans les bénédictions. Nous prions. Je vois tout le monde en prier. Attaquez ton âme. Qu'il dort. Que ton Dieu, il se pose à nos affaires. Il se pose à nos frères, à nos familles, à nos maisons. Tout ce qui se pose à nos ministères, à ma vie. Le prophétise. Le prophétise. Assurez. Voilà, voilà, voilà. Que ma paix. Everybody pray. Everybody pray. Que ma paix. Everybody pray. Que ma paix. Everybody pray. Que ma paix. Mettez la main. Right now.
Maintenant même, une onction spéciale descend sur toi. Une onction spéciale descend sur toi. Maintenant même, les chaînes tombent. Regarde, le Goliath qui t'était passé dans ta vie, le Goliath qui est passé dans ta vie, tombe. Les chaînes de la maladie, les chaînes de la pauvreté, de la misère, de la sorcellerie, tombe. Les chaînes du chômage, du pétard, du célibat, du non-aboutissement, tombe. Reçois, suis-toi là-bas, reçois, quelque chose se passe dans ton corps et dans ta vie, c'est maintenant, et c'est maintenant même. Reçois ta délivrance, reçois, quelque chose se passe. La main de Jésus. La main de Jésus vous touche. Recevez la puissance de Dieu. Recevez vos délivrances. Recevez la restauration. Recevez la puissance de Dieu. Reçois au nom de Jésus. La stérilité tombe. Le célibat tombe. La pauvreté tombe. La misère tombe. Ton argent, le diable te reste tout. Ton argent, il te reste tout de ma vie. Il te reste tout dans le voyage. Il te reste tout de la santé. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la délivrance. Recevez la puissance de Dieu vous visite. La puissance de Dieu vous touche. Recevez la restauration. Reçois ta délivrance. Et maintenant là, au nom de Jésus-Christ, Jésus vous guérit. J'étais malade. Reçois ta délivrance. Amen. Nous allons prier en marchant comme ça pour dire, c'est la fin de Goliath, c'est la fin. Je prophétise la mort. Priez. Pray.
de Jésus. Au nom de Jésus. Oh là là, priez. Priez. Oh là là, priez. Priez. Oh là là, priez. 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 La puissance de Dieu vous libère. La puissance de Dieu vous libère. Sa puissance 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 vous libère. Laisse-moi. Reçois, 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 reçois. Je prophétise maintenant que Dieu, en train de te délivrer, en train de te délivrer, en train de combat, en train de combat pour toi. L'éternel est en train de faire tomber l'armée du diable, l'armée de la sorcellerie. Le diable a échoué, a échoué. Le diable a échoué, le diable a échoué. Recevez. Recevez, 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 reçois ta guérison, reçois, 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 je guéris, je guéris, je guéris, allez, je guéris, 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 reçois, reçois. Pendant que je parle, je libère ta famille. Je libère tous tes enfants. Je libère ta famille. Je libère ta famille. Je libère ta famille. Je libère ta famille. Recevez la délivrance. Reçois. Reçois. Je libère ta famille. Je libère tes enfants. Je libère ta famille. Je libère ton foyer. Je libère tes affaires. Oh là 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 là. Je libère ton argent. Je prophétise et je déclare que celui qui te combattait tout le temps, oui, dans le nom de Jésus, qu'il tombe et qu'il périsse dans le nom de Jésus. Qu'il tombe et qu'il périsse dans le nom de Jésus. Et que la parole de Dieu, sa parole s'accomplisse pour ta délivrance. Que sa parole s'accomplisse pour ta délivrance. Il a failli que Saül meure et que David devienne roi d'Israël. Que ceux qui est assis sur le trône de votre vie, sur le trône de ton ministère, de ton foyer, de ton argent, de ta santé, de prophétise la mort. Oh là 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 là. La puissance de Dieu, 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 délivre. Jésus vous délivre ce matin. Jésus vous délivre ce matin. Merci pour la délivrance. Merci Jésus pour la délivrance que tu accordes. Et merci pour ta main tendue. Merci Jésus de guérir et de libérer encore. Oui Seigneur notre Dieu. Que la gloire et vous bénisse. Croyez à cette prière. Croyez à ça. Quand vous me prierez, vous partirez dans le lit de Jérémie et je vous exaucerai. Il y aura des temps de témoignages que vous-même vous allez vivre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous reprogrammons la retraite, la prochaine retraite aura lieu ici, dans le mois de septembre, à partir du 25, un jeudi 25 septembre. Le 22 au 25 septembre, nous allons reprendre encore la retraite, une retraite spirituelle, où on va faire ratissage même. Amen. Voilà, parce que souvent, il y a des petits qui s'enfuient un peu, il doit ratissage. Amen. Voilà. On va voir, si on a bombardé en l'air, maintenant on va voir les armées de terre,
pour faire ratissage. Et ça, c'est les MB24 qui ont décollé, qui ont bombardé. Maintenant, les petits gagnés là, bah, le 22 au 25, ça, c'est l'armée de terre. Ils ont fait un bon ratissage. Ça, c'est pistolet corps à corps, peau dans la tête, on s'en va. On prend un pot dans la tête, on s'en va. Amen. Amen. Okay. Amen. N'oubliez pas une chose, que c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. Amen. C'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. Et Dieu est ton Dieu. Ne jette pas que David affrontait le Goliath qui avait menacé l'armée. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. C'est ce que le diable a osé faire sur ta vie. T'insulter, te maintenir dans une captivité. C'est pour ça que je crois à ta délivrance. Aujourd'hui, je crois que le Goliath est tombé. Je dis là que la maladie, je gère la pauvreté, la misère. Je prophétise que tu auras l'argent. Je prophétise que tu te marieras au nom de Jésus-Christ. Je te donnerai l'argent pour payer tes dettes. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai tenu à dire merci à la sœur Marie Nadine. Elle a offert un repas à l'église. Voilà, donc merci. Ils sont en train de faire l'agapé. Que Dieu te bénisse. May God bless you. À partir de 18h, au secrétariat, monsieur, qui est aux États-Unis, là, au secrétariat, vous allez avoir votre programme. Je ne dis pas ça devant tout le monde, le secrétariat. Nous allons commencer à vous s'occuper de vous à partir de 18h. On va commencer à mettre un programme sur pied pour commencer à vous débarrasser de beaucoup de choses. Les autres, c'est à partir de 20h. Amen. Voilà, donc Dieu vous fortifie. Le centre est ouvert à tout le monde. C'est un endroit de prière. Nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre. Il faut que je me repose pour poursuivre le travail. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous attendez une mauvaise nouvelle, vous voyez ça comme bonne nouvelle. Amen. Il a fallu que Saül meure pour que David prenne le trône d'Israël. Il a fallu que Hérode meure pour que Jésus rentre à Jérusalem. Parce que c'était la cité de roi. Et dans cette cité, il ne peut pas avoir deux rois. Donc Dieu y va. Et le roi de Chine allait le tuer, tu as rentré. Amen. C'est pour ça que je crois à ta délivrance. Je crois que Dieu a ta délivré. Persévérez dans la prière. Doublez d'efforts. Poursuivez les retraites. Venez la prochaine retraite. Et après cette retraite, les deux semaines, nous allons commencer à recevoir les rendez-vous. Vous recevoir, mais le centre est ouvert. Tous les week-ends, ici, il y a des prières. À partir de jeudi jusqu'à dimanche, il y a des prières. Il y a des retraites. Amen. La prochaine va être acte 2. Mon goulet va tomber acte 2. C'est à partir de jeudi 22 jusqu'au dimanche 25. Amen. Voilà, dès qu'au dimanche 25. Nous allons vous suivre. Ça, c'est important. Nous allons vous suivre pour voir un peu l'effet que ça a eu dans votre vie. On a toujours besoin des gens pour nous suivre dans la vie. On a toujours besoin d'un guide spirituel et tout ça. Donc, venez à cette rencontre-là. Hein? Et puis, chacun d'entre nous va commencer à s'exprimer. La première fois, voyez ce qui s'est passé. Si rien ne s'est passé, tu dis rien ne s'est passé, on va doubler encore des fois. Amen. Voilà donc que Dieu bénisse. Comme il dit à 20h, je vais pousser encore un programme. Voilà, parce que Dieu me met à cœur de le faire. Amen.